boys, man so tough, but man keep rapping. Just too sharp with the boys, white girls better tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pine, if you wanna touch man, please use. Salut à tous, on est aujourd'hui sur le circuit de Dijon-Prenois pour essayer les dernières nouveautés BMW. Alors on n'a pas pu la tester sur route évidemment, cette nouveauté que vous attendez tous, mais elle n'a pas tellement sa place ailleurs que sur un circuit, la superbe M1000RR. Alors à tout niveau, cette machine est assez exceptionnelle, vraiment tous, même le tarif, on y viendra à la fin. Vous avez ici la S1000RR, pour vous faire un petit peu la différence tant en esthétique, ça ne varie pas beaucoup, mais il y a quand même notamment ces ailerons, qui apporte beaucoup d'appui, bien plus que sur une Aprilia RS V4. On est même au-delà du double d'appui à 300 km/h. Et rien qu'à 150 km/h, on a déjà encore plus de 7 kg d'appui avec ses appendices. Donc quelque chose de très sensible à son bord. Le coloris également évolue spécifiquement pour la M. On n'a pas exactement les mêmes décorations. Et puis surtout, on a énormément de carbone sur cette moto. On en a vraiment partout. Ici, les protections, le carter de chaîne, enfin, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a aussi pas mal de petites options supplémentaires. Hein. On a des packs qui habillent cette machine avec des commandes usinées au pied comme au levier. Donc, bon, pas mal de petites choses. Et c'est surtout le moteur qui va différencier la S1000RR de la M1000RR. Le bloc de 999 cm3 sort 212 chevaux, c'est 5 de plus que sur la S1000RR. Il a autant de couple, mais à un régime un petit peu supérieur. Pour autant, ça ne la rend pas creuse du tout, hein, je vous rassure. En fait, le moteur a été retravaillé de façon très importante. On a des bielles en titane allégées, des pistons très courts et également des soupapes en titane. Le bras oscillant de cette machine est allongé pour lui donner un petit peu plus de stabilité. Et surtout, on a un très important réglage au niveau de l'amortisseur et du bras. En fait, on peut régler la biellette par un excentrique. On a un modèle ultra performant de Marzocchi à l'arrière, idem à l'avant, des suspensions non pilotées, hein, que ce soit avant ou arrière, Marzocchi, fourche de 45 mm, des réglages en tous sens, c'est vraiment du très haut de gamme et ça fonctionne très bien. Le cadre ne varie pas, sauf hein, sur un point, on a ici un réglage excentrique pour la hauteur du bras oscillant, donc quand même un réglage d'importance. Enfin, au niveau des freins, ça c'est assez exceptionnel. On a des étriers Nissin à l'avant qui sont d'origine Superbike. Et à l'arrière, on voit aussi qu'il a été placé en dessous du disque de frein et pas au-dessus. En fait, on a une position qui est inférieure pour un système de répartition de masse, évidemment. Enfin, ça ne joue pas énormément. Ce sont surtout des éléments de première catégorie qui apportent un freinage exceptionnel. Pour vous donner une idée, eh bien, je vous propose de me retrouver en piste à nouveau sur le circuit Dijon-Prenois au guidon de cette M1000RR. Alors cette BMW M1000RR est réellement impressionnante à plusieurs niveaux. D'abord en moteur évidemment, avec son 4 cylindres hyper expressif qui dynamite toutes les évolutions de cette machine. On a également ce châssis hyper précis avec un amortissement exceptionnel. Freinage qu'il est tout autant. Là on a des étriers Nissin issus du SBK. Je peux vous dire que ça freine. Hein. Incroyable. De décélération et surtout la modularité de ce freinage, c'est assez exceptionnel. Hein. Alors la machine a une nouvelle géométrie et surtout un bras oscillant plus long pour faire passer la puissance d'autant plus facilement.
shifter est remarquable de l'efficacité. On se manie du bout de la botte. J'ai emmené également la S1000 RR sur la piste du circuit pour avoir un petit peu les différences en dynamique entre ces deux machines. Elles sont bien réelles. Déjà, on n'a pas la même sensation de freinage. C'est moins puissant et on n'a pas le même feeling. Niveau suspension, c'est bien maintenu. Pas une très grosse différence avec... Je m'attendais à plus de différence qu'avec la M en termes de suspension. Mais... Il faut reconnaître que l'électronique de l'amortissement fonctionne très bien. Cet S1000 RR. Par contre, le moteur vibre nettement plus. Ah, c'est clair que dans les hauts régimes, et même à mi-régime, on a une moto qui est beaucoup moins agréable à ce niveau. Mais ouais, ça bouge aussi davantage. Ça filtre moins bien les compressions. La M1000, alors certes, la facture est colossale par rapport au modèle de base, mais par contre, on a un toucher de route qui est vraiment meilleur, un vrai progrès, un freinage qui est encore plus performant, mais c'est vraiment très sensible en fait, en termes de consistance de freinage et en termes de modulation. Ça sent vraiment très sensiblement. Et enfin, le moteur est dénué de vibrations. Quand on reprend la S1000 RR sur piste, on sent qu'il y a des vibrations dès les mi-régimes, et plus ça monte, plus c'est sensible. Sur cette machine, on n'a absolument pas ça. Le moteur réagit encore plus finement, je trouve, à l'accélération. Sur toutes les phases de pilotage, la machine est d'autant plus agile, on va dire d'autant plus précise surtout. Ça va vraiment se jouer à ce niveau-là. C'est une machine d'exception en termes de suspension, en termes de freinage et en termes d'agrément moteur. Et puis aussi en termes de tarifs, on est ici à 33 290 euros. Donc une facture assez salée pour des évolutions quand même très importantes en dynamique et une finition assez exceptionnelle sur cette machine. C'est à comparer au prix de la S1000 RR qui est de base, mais vraiment de base, à 19 200 euros. La facture monte allègrement au rythme des packs qui sont quasiment essentiels sur cette machine. Pour finir, je comparais cette BMW M1000 RR à l'Aprilia RSV4 Factory que nous avons testé récemment sur le circuit Misano. Alors pourquoi cette machine précisément? Eh bien parce que c'est la seule à pouvoir offrir encore plus que la M1000 RR un réglage de partie cycle évolué, à savoir un réglage d'angle de colonne, de déport et également la hauteur du moteur dans le cadre, la hauteur d'axe de pivot de bras oscillant et enfin l'empattement, puisqu'on peut aussi gérer l'empattement en déplaçant la roue arrière sur cette très large fenêtre qui découpe le bras oscillant de la RSV4. Enfin, cette Aprilia RSV4 est également équipée d'ailerons profilé aérodynamique qui génère une force d'appui importante sur l'avant, mais cependant moitié moindre que celle offerte par la BMW M1000 RR. Beaucoup de performance, beaucoup de plaisir. On vous en dit bien plus sur les séances en ligne de ces machines sur lerepairedesmotards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, faites sonner la petite cloche bleue et moi je vous dis à très vite pour un nouvel essai. Merci. Like zero degrees, I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets.